arrive, messieurs, pour le Girl Power, à 3 du bruit, 1, 2, 3 du bruit. Bref, salut YouTube, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est très bruyant autour de moi. On est à Lyon, à Confluence, mesdames et messieurs, pour le Red Bull Jour d'Envol. On vous a fait une grosse vidéo il n'y a pas longtemps à Montargis, elle sera dans la description, allez vous voir, ça explique pas mal l'événement. Mais pour résumer à ceux qui ont la flemme et qui comprennent pas trop ce qui se passe ici, on participe encore une fois au Red Bull Jour d'Envol, c'est organisé par Red Bull, mesdames et messieurs. Et le but est de fabriquer des géants ovnis. Pour ajouter un petit peu de piquant, on a proposé à notre communauté Twitch de designer notre ovni, de designer notre costume, et je suis là pour vous montrer le résultat final et pour aller sauter au-dessus de l'eau à une hauteur de 8 mètres, non 6 mètres, ça va c'est soft. Bref, on vous emporte avec nous, on vous montre tout ça, c'est très rapide, on passe dans 10 minutes. Juste avant, je tenais à vous montrer le résultat final parce que vous avez montré l'aubergine et faudrait que je mette mon costume je pense, parce que vous avez choisi un costume pour nous. Vous avez voté pour un costume et... Bref, le plus gros événement Red Bull de l'année à Lyon et nulle part. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Il y a mon gars sûr, Flamby, ici présent. Wesh. Parce qu'en plus de ça, ils nous ont proposé d'inviter quelqu'un avec nous. Donc Flamby, je lui ai dit, hey Flamby, Red Bull propose d'inviter un abonné, tout frais payé, il y a des gros soupers, il y a des grosses soirées et tout. Mais je lui ai jamais dit que le public avait voté pour qu'on s'habille en princesse. Ah, je savais pas, ça j'ai trop... Et en plus de ça, on s'en va faire un truc assez space, mais ça c'est dans quelques instants. Viens, on leur montre l'aubergine, là, regardez ce que Fernando nous a fait. Fernand Rebelle, mesdames et messieurs, l'aubergine comme on l'a imaginé sur Twitch, les ailes, la couleur, le petit numéro 20, le kappa ici sur l'aile, on a l'arrière de l'aubergine, c'est un travail de folie. Venez voir, le chat Twitch a voté pour absolument tout ça et ils ont voté aussi pour ces frites, c'est un pot de poutine. On a des frites avec du fromage et de la sauce, j'ai une sangle ici en haut et évidemment, parce que je suis un peu trop à l'aise avec la robe, vous trouvez pas? Bref, évidemment, regardez-moi ça. Ça aussi, la vérité, hein, c'est pas moi qui ai mis ma grosse tête sur un ovni. Hein. C'est vous qui avez voté, bande d'enfoirés. Blablabla, bref, c'est l'heure de partir là. Ça fait des mois que, pas qu'on prépare ça, mais ça fait des mois que l'événement est annoncé. Donc ça fait des mois qu'on se prépare mentalement. Les robes, les chorégraphies, l'ovni ici qui a été fait par Fernand, c'est beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'organisation. La ville de Lyon est vraiment magnifique. Les Lyonnais là, faudra en parler, vous et moi là. On m'avait pas dit que vous aviez une ville aussi incroyable. On a été là au parc de la Flèche d'Or, là où la Tête d'Or ou quoi. D'où la ville elle est aussi belle que ça. Les Lyonnais, je vais revenir, votre ville elle est incroyable. Et j'ai rencontré que des gens sympas ici donc. Dédicace à Lyon, dédicace aux Lyonnais et aux Lyonnaises parce que vous avez une putain de belle ville. Par contre c'est compliqué à dire Lyonnais, Lyonnaise là, j'ai bégayé un peu. Bref, j'ai trop hâte. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez rencontrer toute mon équipe, notre ovni sur la piste, la méga rampe, tout le public. C'est parti. On est en place, on est dans la file d'attente, il fait chaud, il fait 35 degrés mais c'est une bonne chaleur, ça m'avait manqué, mon téléphone sonne tout seul. On est 5 ou 6ème dans la file d'attente, plus que quelques minutes, ils vont passer tout le monde avant nous, je les vois danser, ça a l'air cool, j'ai hâte de plonger parce que je suis déjà tout mouillé, mais c'est de la sueur, c'est de la sueur. Alors, on est super content et faites du bruit pour les Roquettes Lounées s'il vous plaît. Ouais, vive les Roquettes Lounées. Et vive Muriel derrière la caméra, Muriel s'est faite mal mais elle est là, elle a mis sa robe et elle nous filme. Dédicace Muriel. Ah, vous faites ce que vous voulez. Bref, I'm good girl, so I'm a hood girl. Straight masterpiece. Silent, wildin, living up from the city. We're sailing around. I'm so pretty. C'est déjà fini. Le flow est décédé. Ma réputation est ruinée à jamais. Déjà qu'elle tenait pas à grand chose. Mais bon, j'ai été jusqu'au bout. J'ai assumé. On n'a pas bégayé. Vous nous avez dit, vous avez voté. Et nous voilà. Ça c'est quelqu'un qui saute juste avant nous. Juste là. Viens, viens, viens. On va les filmer. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Et après c'est nous. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Regardez. On est juste après. On va avoir les vidéos de ces caméras là aussi normalement. Ça va être cool. Ça va être cool. Bonjour Muriel. Hello. Comment ça va? Ça va mieux tes bobos? Regardez, la pauvre, elle s'est faite mal. Elle s'est faite des bobos. Mais elle filme quand même. Ça va? Tu te sens bien? Ça va quand même? Ça va. Yes. J'ai chômé, ça va, elle dit. Mimu la Wario. Ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd, ouais. On est juste après. On est chaud. Ouais.
C'est mon nom qu'ils ont annoncé là. C'est mon nom qu'ils ont dit là. Venez, on fait comme s'il n'y avait pas autant de personnes autour. Regarde la foule là. Regarde la foule et on est... Je sais pas si on est en direct, mais c'est enregistré pour W9. Donc soit on est en direct, soit ça va être publié plus tard sur W9. Yes! Merci. Salut! Yes! Yes, yes! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Tranquille et toi? Ouais, tranquille. Yes. Venez, venez les gars, venez. Allons-y. Ça se passe ici? Merci. Merci. Bref. Ah wouh, let's go. Ouais. On a 9. 9 et 9. On a eu 9. Ils ont été gentils avec nous. 9, 9, 9 et 9. Ça, c'est mon buzzer. Il y a un jet ski qui nous tire. Je suis là. C'est bon, je suis là. Yes! C'était trop bien! Il y a plein d'eau sur la GoPro! Je sais, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience! C'est pour l'immersion des gens! Mec, le jet ski c'est trop cool! J'ai failli tomber plusieurs fois par contre, bah, j'ai lâché la prise la première fois! Tiens! Allez, je te la tiens pour que tu remontes! La princesse monte. Grave, on va tomber. Ah ah ah. Oh, that's hot. That's hot. Je suis de retour. Ça fait du bien, l'eau. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était incroyable. J'ai des chaussures vraiment lourdes. Ouais, ça fait vraiment bien. On a survécu. Est-ce que je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Merci, Red Bull. Je vous aime. Bande de vieux fous. On l'a fait. On est à l'autre bout de la terre. 8000 km de notre maison. Habillé en princesse. En train de sauter d'une rampe. C'était incroyable. Meilleure expérience. Après avoir fait le parachute, vous imaginez que ça faisait pas peur. C'était juste un beau plongeon. C'était trop bien. Et on a réussi à le faire comme il faut. Je suis vraiment fatigué. Bah, je suis essoufflé. Je suis pas fatigué. Je suis juste essoufflé. Je reprends mon souffle et je vous retrouve dans quelques minutes. Un peu plus sec. A tout de suite. Bref, je suis de retour dans ma cuisine, ça fait plaisir. On est de retour à Montréal, mesdames et messieurs, quelques jours plus tard. Et vous avez vu, il y a déjà des trucs qui sont rajoutés dans ma cuisine. Là, j'ai un frigo et tout maintenant. Bref, je suis là pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous mettez votre meilleur like si vous avez kiffé. Et je voulais prendre deux petites secondes pour dire un grand merci à Red Bull d'avoir organisé tout ça parce que c'était grandiose, des milliers de personnes réunies. Encore une fois, un gros big up à Lyon, comme je vous l'ai dit. Cette ville est un délice. Et puis, je voulais remercier un peu toutes les personnes avec qui j'étais. Vous savez, un gros big up à Alès, à Damien, à Léo qui nous ont accompagnés durant l'event. Je voulais aussi faire un gros big up à Valentin qui était avec nous dans l'équipe. Vous savez, c'est la princesse, c'est le mec là en princesse avec sa robe de princesse. Lui là, il était derrière beaucoup, beaucoup des idées de cet événement.
Allez checker sa chaîne et ses réseaux sociaux. Ils sont tout le temps en train de faire des gadgets, des nouveaux concepts et tout. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les infos dans la description. Jules Gurki, vous savez qui c'est, évidemment. Et Flamby, un abonné qu'on avait tiré au sort et qui finalement était vraiment incroyable. Donc un gros big up à lui, qui lui aussi d'ailleurs fait des vidéos. Tout le monde fait des vidéos, on dirait. Donc ouais. Que du monde cool. Un gros big up à Fernand qui nous a fabriqué l'aubergine volante qui était incroyable. Fernand, le gars sûr. Je vous l'avais montré, vous avez vu à quel point il est ingénieux. Il a un atelier, il fabrique tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc c'était vraiment cool. Alors j'espère que vous avez apprécié suivre cet événement autant qu'on a apprécié le vivre et le filmer pour vous. Et j'ai plus grand chose à vous dire à part aller checker 514.store. Comme d'habitude, vous savez, on a lancé notre marque de fringues et on a commencé avec un premier t-shirt. Il y en a déjà presque plus et il nous en reste moins de 100. Répartis à travers toutes les tailles et toutes les couleurs, donc ça fait genre 4, 5, 10 exemplaires par taille. Bref, il en reste plus beaucoup, je compte sur vous pour aller éclater le stock si vous êtes chaud. Et on arrive très vite avec plein de nouvelles pièces, plein de nouvelles collections pour la suite. Bref, c'est un grand succès et ça fait plaisir. Je vous aime, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Promis, j'arrête de parler, je m'en vais, je vous laisse. Ciao tout le monde, c'est Nabil, ciao tout le monde, descends l'escalier.